Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo musicale. Encore, et oui, parce qu'on est habitué aux vidéos musicales. D'ailleurs la dernière vidéo où ça parlait de musique vous avait énormément plu. Grâce à cette vidéo on a pu dépasser les 30 000 abonnés. Donc merci beaucoup, on applaudit. Alors pour cette vidéo j'ai un invité exceptionnel. Vous le connaissez très bien puisque c'est Loxy. Où est Loxy? Sur l'image. Et Loxy! Salut, comment allez-vous? Ça va, tu vas bien? Oui, bonjour, ça va. Et Cacalo! Comment tu vas? Ça va bien, ça fait longtemps que j'ai pas été sur cette chaîne YouTube. Oui, c'est vrai, putain, ça fait vraiment longtemps. C'est quoi la dernière vidéo qu'on a fait? Du vrai coca? Allez, avec plaisir! Quel est le principe de cette vidéo? Le concept est très simple, tout simplement. Nous allons parodier des musiques, des rappeurs de. Alors, attends. Nous allons tout simplement piocher dans ce chapeau de bout de papier plié. Et sur ces noms, sur ces papiers, il y est marqué. Il y est! Sur ces bouts de parquet. Sur ces bouts de papier, il est marqué un rappeur. Du coup, ce rappeur qui est ma... Mec, je suis handicapé. Il y a un nom de... Merde. Sur ces papiers, il y est marqué un rappeur. Et du coup, ce rappeur, justement, va devoir faire la parodie d'une de ses musiques. Ouais, on va juste faire les refrains pour pas que la vidéo dure non plus 25 ans. Et à chaque fois qu'on fait une parodie, juste après, vous avez la conception du truc, etc. Quand on trouve les paroles et tout. Et le petit clip sur fond vert. Et après, on passe à la parodie d'après. 3, 2, 1, jingle. Vas-y, tu peux piocher. Oui, pioche-moi MP4. Le nom du premier rappeur que nous allons parodier. Jaju. Non mais celle qui va être le plus vue c'est Jaloux, non? Ren, Jaloux, Bob Marley. Sinon viens, on fait compliqué. T'as beau fitter les règles, au final c'est compliqué. Ah ouais, bon bah, on va chanter tous les deux en fait. Parce que voilà, on n'a pas que ça à faire. De toute façon, tous les cas, il y aura un clip et c'est le clip qui... Donc la première parodie c'est compliqué de Dajou. 3, 2, 1 Bing. Ok, t'as une idée pour le truc que tu m'as dit? T'as voulu boire ses règles, au final c'est compliqué. Vas-y, fais ça. Faut pas faire trop trash parce qu'après je vais me faire encore démonétiser. Bah, ça va, t'as voulu boire ses règles. Je vais me prendre une limite d'âge comme ma parodie de Gang. Vous avez vu la parodie de Gang? Je vais pas vous mettre un extrait parce qu'après ma vidéo elle va avoir une limite d'âge. Mais c'est la vidéo qui est juste avant celle-là. Elle est en description, vous pouvez aller la voir. Ok, Jaju, t'as voulu. Ah, c'était trop vite. Je refais. Je venais de sortir du sport et t'as voulu bien t'hydrater, ouais. T'as voulu voir ses règles, au final c'est compliqué, ouais. Tu venais de sortir du sport et t'as voulu bien t'hydrater, ouais. Dans tous les cas c'est dégueulasse. Ok, on enchaîne, la première parodie est terminée. On se retrouve avec le clip, vas-y lance le jingle du clip. Jingle du clip maintenant, 3, 2, 1. T'es ton big spad, vas-y crash. T'as voulu boire ses règles, au final c'est compliqué, ouais. Tu venais de sortir du sport et t'as voulu bien t'hydrater, ouais. Il y en avait partout et t'as voulu voir ce que c'était, ouais. Ça sentait les égouts et t'as quand même voulu goûter. Dans tous les cas c'est dégueulasse. 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 On passe donc à la deuxième parodie. On va sortir donc le chapeau des parodies. 1, 2, 3, pioche. C'est pas la bonne chapeau. Ah bâtard. T'es prêt? 3, 2, 1, 0. Joule, c'est pas moi. Et maintenant c'est Joule. C'est Joule, Joule, Joule. Dans ma paranoïa. Jean-Claude Van Damme. On m'appelle Laurie. Je le trouve pas. Laurie. Dans vos contacts. On part sur une parodie de JCVD de Joule. Est-ce que tu peux lancer le et qu'il est mort? Écriture des paroles. Ça prend le dos d'âne, ça tombe en panne sur l'autoroute assise. Ça tombe en panne. Mais faut garder la banane. Change la roue et je repars. C'est comme ça, genre. Ah, ça me prend sur le dos d'âne. Ah ouais. Ça tombe en panne, mais faut garder la banane. Change la roue et je repars à 130 sur le dos d'âne. Ça tombe en panne, mais faut garder la banane. Voilà les gens, deuxième parodie est finie, on passe au clip tout de suite. Le clip arrive dans 3, 2, 1, go. Ça tombe en panne, mais faut garder la banane. Change la roue et je repars à 130 sur le dos d'âne. Ça tombe en panne, mais faut garder la banane. Change la roue et je repars à 130 sur le dos d'âne. On passe au clip suivant, attention. Angèle. Ah oui ou non, ouais. Oui ou non la dernière. Ok, on part sur oui ou non de Angèle, ça va être une catastrophe. Parce qu'on va devoir prendre une voix de fille. En plus c'est à toi de chanter. Oh. C'est oui ou bien c'est non. Voilà. C'est oui ou bien c'est non. J'ai grave envie de chier. C'est oui ou bien c'est non, tu me laisses ta place pour aller chier genre. Tu peux m'ouvrir la porte. C'est oui ou bien c'est non.
tu peux m'ouvrir s'il te plaît. J'ai grave envie de chier. Je vais chier sur le palier. Le palier qui est ? Le sol. Ça t'es vrai que tu dis autre chose. Ouais, j'avoue. Le palier qui est ? Une valise. C'est oui ou bien c'est non. Je vais chier sur le... Ok, on a fini l'enregistrement, on passe à la partie clip. Jingle clip dans 3, tu vas l'opérer. Le jingle, il est où le jingle de, des paroles de... Ah, non, non, je vais te le donner où il est, regarde où il est. Tu ranges des jingles n'importe où, ça commence à me faire chier. C'est oui ou bien c'est non. Tu peux m'ouvrir s'il te plaît. C'est oui ou bien c'est non. Je dois aller au WC. C'est oui ou bien c'est non. J'ai grave envie de chier. C'est oui ou bien c'est non. Vas-y, ouvre le sac. Oh putain, oh, il était là. Vas-y, tu peux chier. Encore, moi, ouais. Ah, c'est à moi. Non, c'est à moi. Quoi? C'est qui? Tu connais un dessin animé avec une petite biche et un même il meurt? Bambi. Et bah voilà. Simplement des bandits. Bandi. Gambi. Ouais, tu pétais la soupe et tout. On part sur Gambi. On fait ça? Ok, donc on part sur Gambi dans l'espace. On passe au jingle d'écriture, les paroles. Je suis canard et je fais coin coin. Je suis dans l'eau et je suis dans mon coin. Là, je suis dans les temps. Je suis canard et je fais coin coin. Dans le temps. Ah, t'allais enchaîner? Ouais. Je suis canard et je fais coin coin. Ah, il est bien celui-là. Dans l'eau et je reste dans mon coin. Là, je suis dans les temps. Là, je suis dans les temps. Reste dans mon coin. Là, je suis dans les temps. Là, je suis dans les temps. Et c'est fini pour cette parodie de Gambi. Ouais, non, mais de toute façon, c'est toujours moi. Oh, tu dis que c'est qui? Bah, tu... non. Mais non, on a déjà poché. Bah oui. Et c'est Maës. Oh, oh. Oh là là. Ok, donc on a choisi la chanson de Maës, on va partir sur Blanche. On passe à l'écriture des paroles. Graille de la paille. Ah ouais, genre t'es un cochon. Reste sur les rails. Il reste sur les rails, il se met sur les rails. Je suis sur les rails. Un mec qui danse sur les rails du... Je danse sur les rails. Faut pas que je reste trop, il va... Et genre à la fin du truc, il y a le train qui arrive. Va me percuter. Ah ouais, il y a le train. Ah ouais, ouais. Je suis sur les rails. Le train va bientôt me percuter. Et voilà, on a fini l'enregistrement pour Maës feat Booba. Mesdames et messieurs, voici en exclusivité le Buckley motherfucking go. Je suis sur les rails. Le train va bientôt me percuter. Je danse au milieu parce que je suis bourré. Je suis sur les rails. Le train va bientôt me percuter. Je danse au milieu parce que je suis bourré. T'es venu bien trop tôt, jamais il ne passera. Pour te prendre un couteau, commence par te couper le bras. On passe tout à l'heure, peut-être qu'il arrivera. Tu as plus chaud sa sœur, mais il est plus grand que toi. Je pioche dans le super chapeau de la parodie, d'accord? Stoats. C'est VG Dream. On part sur VG Dream. Il y en a une à laquelle je pense là, c'était Elle est bonne sa mère. Avec Nigo et VG Dream. Ouais. Elle a déjà été fait plein de fois en parodie, je crois aussi, mais on s'en fout en vrai. Parce que nous on est là pour s'amuser, d'accord? Donc on part sur Elle est bonne sa mère, on va. Allez, c'est parti. Écriture des paroles dans 3, 2, 1, floux ça. Un intercalaire. C'est mon pote Kader. Ok. Nana pas un par terre. Ah. Par de cela. Le jette pas par terre. Le mégot de la clope. T'es un truc comme ça là. Mégot des cigarettes. Ne jette pas par terre. Ta cigarette, ça pollue la terre en plus. Si tu pètes, ça envoie du gaz. Non, mais en fait, c'est rien à voir. ça envoie du gaz. Ça pollue la terre en plus. Si tu pètes, ça envoie du gaz. Et après, y'a plus d'oxygène. Je récupère ma cigarette à tabac. Après, je me la fume et je la jette par terre. C'est le début. Alors s'il te plaît, mets-la dans le sac poubelle. Le sac poubelle. Ah ouais, tu fais VG Dream. Le sac poubelle. Sac poubelle. Ok, on a fini l'enregistrement de la parodie de VG Dream. On passe au clip ou pas? La
jette pas par terre. Ta cigarette, ça pollue la terre. En plus, si tu pètes, ça envoie du gaz. Et après, y'a plus d'oxygène. Alors, s'il te plaît, mets-la dans le sac poubelle. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et mettez-le en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et à vous abonner à la chaîne de Loxy qui va être dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne YouTube de Damien, c'est très sympa. La dernière vidéo de Damien sera dans la description. Ma chaîne aussi sera dans la description. N'hésitez pas à lâcher des likes, je répète, allez dans les commentaires, marquez tous Ulit. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format de vidéo. Si vous voulez peut-être qu'on vous fasse un épisode 2 avec d'autres parodies. Si ça vous plaît, on le refera direct parce que nous ça nous a fait kiffer. Allez à plus, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. We'll be right back.